Une équipe perd 1-1 ses joueurs, c'était il y a 21 ans, jour pour jour. Nous sommes le 16 mars 2023 et le 16 mars 2002, Sheffield United reçoit West Bromwich lors d'une rencontre de 2ème division anglaise. Ce jour-là, Sheffield est rapidement réduit à 10 lorsque son gardien Simon Tracy est expulsé après seulement 9 minutes. En infériorité numérique, tout dégénère pour les locaux qui encaissent 2 buts. Et quelques minutes plus tard, George Santos et Patrick Schuffo reçoivent également un carton rouge quasiment simultanément. À 8 contre 11, Sheffield encaisse logiquement un 3ème but, mais la partie cauchemardesque n'est pas encore terminée. Alors que les 3 changements ont été effectués, Michael Brown et Robert Ullathorn se blessent et doivent aussi quitter le terrain. Il ne reste alors plus que 6 joueurs pour Sheffield, alors que le règlement en impose 7 minimum. La partie doit donc être arrêtée à la 82ème minute. Le score de 3 buts à 0 est conservé, et finalement c'est un moindre mal, parce que ça aurait pu être bien pire. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un pouce bleu. À demain pour une nouvelle histoire.